Et maintenant, à vous de jouer. Le kaléidoscope est à 12 800 francs et notre nouvelle énigme à 500 francs. Gérard, un premier candidat. C'est monsieur Joël Moulin de Courrières dans le Pas-de-Calais. Ah ben oui, attendez, parce que j'en ai un autre de premier candidat qui n'était pas prévu au programme. Bonjour. Ça va? Il y a l'autre dame que vous n'avez pas vu, alors. Non, est-ce que comme maintenant vous êtes marié, je pense que peut-être dans quelques temps vous aurez un bébé. Oui, pas tout de suite quand même. Non, mais ça va venir. Alors peut-être, comme tous les mamans, vous allez tricoter pour votre bébé. Oui. Allez, vous avez fait un cadeau. Oui. Comme c'est gentil. Je vous le dis, c'est pour tricoter, mais c'est magique. Oui, c'est bah, il me manque plus que ça. L'explication, il est en japonais. Ah, mais j'ai compris. Non, mais c'est écrit aussi. Ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas. C'est écrit en japonais. Alors, c'est pas du japonais, ça, Non. C'est de l'anglais. Ah, je ne savais pas parce qu'il ne connaît pas l'anglais. Ah bon. On va faire un petit cartouche. Ah, ça doit vouloir dire comment tricoter des chaussons, non? Ah oui, des chaussettes. Non, mais on peut tricoter n'importe quoi. Je vais vous donner le petit cartouche. Vous allez le tenir comme ça, s'il vous plaît. Oui, bah, il va me sortir encore quelque chose. Tant que ce n'est pas des souris, ça va. Vous voyez, et je vais vous apprendre comment il faut faire. Vous voyez, vous prenez la pelote de laine. Tenez bien, s'il vous plaît. Et la pelote de laine, vous la mettez bien là. Hein? Comme ça. Écoutez, si toutes les femmes qui tricotent prennent exemple sur vous, j'ai l'impression que jamais elles finiront ce qu'elles ont commencé. Non, mais comme avec la télé et tout ça, vous n'aurez pas le temps de tricoter. C'est pour ça qu'ils vous offrent deux sujets à tricoter, mais magique. Et il faut tricoter comme ça, regarde. De contraster. Parce que... Ah non, attends, ça s'appelle la laine, mais comme ça. Dites-moi, on a souvent tricoté pour vous, c'est pas possible. Il m'énerve, ce truc. Montrez-nous comment vous faites une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Non, mais c'est pas la peine, tenez. Oui. Parce que vous voyez, j'ai tricoté en l'air, mais c'est pour ça que c'est magique, parce que c'est déjà tricoté, vous voyez. Attends. Écoutez, vraiment, alors, franchement, Garcimore... Il n'y a pas à dire, on a touché le matériel. Non, mais peut-être vous croyez que la laine, il est dedans, mais on va montrer à tout le monde qu'il est dedans. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. C'est le chevilles magique. Ça, vous pourrez tricoter pour votre bébé. Oui. Il n'y a rien d'un côté, ni de l'autre. Ouais. Tout ça, c'est... Alors, pendant que vous parlez, vous faites de grands gestes, et pour attirer notre attention sur un point, pendant ce temps, il se passe quelque chose. Hein? Bon, bon après-midi. Merci beaucoup. Je vous les offre. Merci beaucoup. Souhaitez-moi beaucoup de courage, parce que j'en ai vraiment besoin. Bon, alors où en étais-je? Je ne sais plus du tout. Avec monsieur...